Et si l'on pouvait créer de nouvelles espèces utiles à l'homme? Bien plus fort que les OGM, des espèces vivantes fabriquées de toutes pièces, des bactéries reprogrammées pour produire de la lumière, des médicaments ou des carburants. Ces projets un peu fous sont pourtant en marche. Une véritable révolution scientifique. Son nom, la biologie synthétique. C'est une révolution en ce que, au lieu de chercher à comprendre des êtres vivants qui nous sont donnés comme ça dans l'Arche de Noé, on cherche à en construire, à en créer. Ce rêve plein de promesses réveille aussi les fantasmes les plus fous, les peurs les plus profondes. Cette nouvelle révolution industrielle utilise les formes de vie. Elle les traite comme des usines à fabriquer des nouveaux matériaux. Et cela va changer considérablement la société. Ça aura un impact majeur sur l'environnement. En Californie, une dizaine de compagnies ont déjà sauté le pas. Elles anticipent la fin du pétrole et des ressources fossiles. Leur nouvelle matière première, des organismes vivants. Les bactéries sont cultivées ici, dans cette cuve. On fait tout pour leur bonheur, température, pression, tous les nutriments dont elles ont besoin. On a du sucre qu'elles adorent dans cette cuve. Et on leur en donne selon des cycles très précis. Elles sont heureuses et nous fabriquent le produit. Ce produit, fabriqué avec bonheur par des milliards de bactéries, c'est peut-être l'essence du futur. Du diesel bactérien, directement utilisable dans n'importe quel moteur actuel. Notre technologie nous permet de produire des carburants qui iront dans les avions, dans les voitures. Très clairement, l'objectif est de fournir tout le carburant dont la planète a besoin, autant dire beaucoup. Les États-Unis consomment à eux seuls 350 milliards de barils de pétrole par an. Le diesel, c'est quelque chose comme 60 milliards. LS9 fait partie de ces nouvelles compagnies de biotechnologie qui ont vu le jour aux États-Unis grâce aux progrès fulgurants de la biologie synthétique. Depuis environ 5 ans, des milliards de dollars sont investis pour développer ce nouveau mode de production, au potentiel vertigineux. Ce carburant est issu d'un procédé en une seule étape. Les organismes microscopiques, reprogrammés, transforment du simple sucre en carburant équivalent à celui qui sort des raffineries de pétrole. Ces bactéries si prolifiques n'existent pas dans la nature. Les ingénieurs du vivant ont réécrit leur ADN pour qu'elles exécutent une nouvelle fonction. Pour comprendre une telle prouesse technique, il faut remonter en 1953, quand Crick et Watson découvrent la structure de l'ADN en forme de double hélice. Il y a dans ce flacon une substance qui est plus précieuse que l'or, les diamants ou le pétrole du monde réunis. Cette substance, les Anglais l'appellent le DNA. Les Français, l'ADN, et les chimistes d'un nom un peu barbare, l'acide désoxyribonucléique. Suivant le point de vue auquel on se place, c'est une substance chimique inerte où c'est déjà de la matière vivante. Quoi qu'il en soit, tout le mystère de la vie se trouve à l'intérieur de ces substances. Et ce flacon est un peu une boîte de Pandore qu'il vaut mieux refermer en attendant de vous expliquer pourquoi. Notre organisme est une extraordinaire addition de plusieurs milliers de milliards de cellules. Dans chaque cellule, un noyau contient toute l'information génétique qui détermine ce que nous sommes et ce que nous transmettons à notre descendance. Cette information génétique est stockée dans les chromosomes. Chaque chromosome est constitué de milliers de gènes, des phrases écrites avec les 4 lettres de l'alphabet de l'ADN, ATGC. Ces molécules chimiques, on les appelle les bases. Ce sont les gènes qui détiennent le secret de fabrication des protéines, c'est-à-dire la machinerie qui permet de créer des cellules et de faire fonctionner notre organisme. La magie de l'ADN, c'est d'être un langage génétique universel, commun à tous les organismes vivants connus,
de la plus petite bactérie constituée d'une seule cellule aux végétaux, animaux et aux êtres humains qui comptent plusieurs milliards de cellules. Cet ADN, c'est d'abord une quantité colossale d'informations. Dès les années 70, les biologistes tentent de lire ce code de la vie. Ils commencent par séquencer des petits génomes, comme celui de la levure. Si vous vouliez présenter à cette échelle-là la totalité de la séquence du chromosome de la levure, il faudrait multiplier ceci par 50. Donc ça nous fait déjà 2,5 km du ruban de papier. Alors l'homme, il faudra multiplier encore plusieurs centaines de fois, donc ça fera plusieurs centaines de kilomètres. Mais il ne suffit pas de lire l'ADN, encore faut-il le comprendre. Pour traduire l'ADN, les chercheurs se lancent dès les années 70 dans une extraordinaire aventure, celle du génie génétique. Ils commencent à découvrir, parfois par hasard, la fonction de certains gènes. Ces expériences débouchent sur une découverte magistrale, la manipulation du code génétique. Il devient possible de copier et coller des gènes d'une espèce à l'autre pour transmettre des fonctions nouvelles. Jean Weissenbach est un pionnier du génome humain, l'auteur de la première carte de notre ADN. Il a accompagné toute l'aventure du génie génétique. La première application commerciale, ça a été l'insuline, qui, de toute façon, posait problème puisque les insulines étaient essentiellement extraites, surtout de porc, mais aussi de bovins, et donc avec parfois des réactions allergiques. Donc, pour pouvoir éviter ce type de réponse, ce qu'il fallait faire, c'était avoir de l'insuline humaine. Le transfert du gène de l'insuline humaine dans des bactéries permet d'en obtenir des quantités industrielles. C'est une révolution pour le quotidien de millions de diabétiques qui ont besoin de plusieurs doses d'insuline chaque jour pour vivre. Ce tournant marque surtout la naissance des organismes génétiquement modifiés, les OGM. Les industriels de l'agriculture y voient l'opportunité d'améliorer la compétitivité de certaines plantes. En leur transférant un gène de résistance aux parasites, ils augmentent le rendement des cultures. Ces manipulations du code génétique soulèvent un immense écho dans le public. Peut-on se permettre de toucher aux vivants? Ces expériences sont-elles sans risque pour la santé de l'homme et pour l'environnement? La première inquiétude est évidemment de faire, disons, de façon accidentelle, des bactéries qui allaient se propager sur toute la planète, qui allaient éradiquer toutes les espèces naturelles qui allaient ou qui étaient carrément pathogènes pour, je ne sais pas, pour les plantes ou pour les humains. Et puis évidemment, il y avait d'autres utilisations similaires, non pas accidentelles mais délibérées. Ça aussi, ça a été une inquiétude à l'époque. D'ailleurs, on se demandait si effectivement on n'allait pas faire des monstres. Mais les scientifiques eux-mêmes se heurtent à des limites techniques. Ils peinent à transférer plus d'un gène ou deux d'une espèce à l'autre. 40 ans plus tard, et grâce à de nouveaux outils de pointe, la biologie synthétique ne veut plus seulement manipuler le vivant pour copier et coller d'infimes morceaux. Elle ambitionne, démesurément, de faire des constructions nouvelles de fragments d'ADN, de les assembler comme les pièces d'un Lego pour créer des espèces qui n'existent pas dans la nature. D'accord, donc c'est modulaire dans les modules de prélèvement exactement comme dans les... Oui, vraiment. Philippe Marlière est l'un des précurseurs français de la biologie synthétique. Peut-être aussi l'un des plus visionnaires. On peut dire de la biologie synthétique qu'il s'agit d'une révolution culturelle. C'est une révolution en ce qu'au lieu de chercher à comprendre des êtres vivants qui nous sont donnés comme ça dans l'Arche de Noé, on cherche à en construire, à en créer. À l'origine de cette rupture avec la biologie traditionnelle, l'un des temples de la recherche mondiale, le fameux MIT, Massachusetts Institute of Technology, aux États-Unis. Toujours à la pointe de l'innovation. Des grandes premières technologiques, comme la micro-informatique dans les années 70. Et comme à l'époque, la révolution vient non pas des chercheurs, mais des ingénieurs. Pragmatiques, concrets, bricoleurs, ils sont capables d'inventer, fabriquer des machines vivantes, sans être spécialistes de la biologie. Pensez à une voiture. Imaginez que vous n'en ayez jamais vu de votre vie et que vous vouliez comprendre comment ça marche.
L'une des solutions, c'est de la mettre en pièces, d'étudier ces pièces, d'essayer de formuler des théories sur leur fonctionnement, de faire des listes de ces composants. Mais il y a une autre manière de faire les choses. Votre voiture est en pièces détachées. Maintenant, il faut essayer de les remettre ensemble. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que ça va vraiment dans le moteur? Puis-je le laisser de côté? Et à la fin, vous remettez tout ensemble, vous tournez la clé. Est-ce que la voiture démarre? Construire et apprendre en construisant, c'est une démarche très efficace en matière de découverte scientifique. Et ça n'a jamais été appliqué dans le domaine de la biologie. Drew Andy est considéré comme le plus doué de sa génération, un avant-gardiste, le premier théoricien de la biologie de synthèse. Dès 2005, il crée le premier cours de cette discipline. Ses élèves, des apprentis ingénieurs. Pour passionner les jeunes avec cette nouvelle approche de la biologie, il lance avec des collègues un grand concours de biologie synthétique, iGEM. Les participants d'iGEM doivent présenter au jury des machines biologiques, des machines vivantes. Pour les ingénieurs comme Drew Andy, la nature est une technologie comme une autre, une gigantesque caisse à outils de fonctions miraculeuses, comme la capacité qu'ont les plantes, par exemple, à transformer la lumière du soleil en énergie. Je suis un ingénieur. J'aime la biologie car elle fait partie de ce que nous sommes. Mais c'est aussi un outil de fabrication très puissant. Une feuille, pensez juste à une feuille d'une plante. C'est un panneau solaire auto-assemblé qui se recycle tout seul. C'est extraordinaire en fait, et ça fonctionne vraiment. Donc imaginez si on pouvait reprogrammer des choses comme ça avec de tels pouvoirs. Ce qui fascine les ingénieurs, c'est de construire des machines complexes à partir de composants très simples et standardisés. Comme les ordinateurs, véritable addition de processeurs, de mémoire, de nombreuses pièces détachées. Appliqué à la biologie et grâce à une connaissance très approfondie des espèces vivantes, le défi est d'isoler sur l'ADN des fragments, des gènes, aux fonctions bien précises pour en faire des pièces standards et interchangeables. Comme les briques d'un jeu de Lego. Une brique de Lego, c'est justement le trophée remis au vainqueur du concours iGEM. Dans ce concours, les Legos sont des gènes à assembler et recombiner en une construction plus complexe. Une véritable machine biologique. Ces Legos d'ADN ont été baptisés biobriques. Ce sont des fragments d'ADN écrits avec les quatre lettres du code génétique, ATGC. Ils ont tous une fonction bien précise. Par exemple, la luciole est dotée de plusieurs gènes qui la font briller dans l'obscurité. Pour copier ces gènes utiles, les techniciens recourent à un synthétiseur d'ADN. Exactement comme une imprimante à jet d'encre. Ils puisent dans quatre cartouches les bases de l'ADN. Au lieu de couleurs, la machine extrait les bases chimiques A, T, G, C. Pour recréer un morceau d'ADN devenu entièrement synthétique, c'est-à-dire fabriqué par la main de l'homme. Au MIT, toutes les biobriques créées par les étudiants du concours iGEM sont répertoriées en ligne. Elles s'accumulent d'année en année. Une sorte de catalogue de vente par correspondance, à la seule disposition des nouvelles équipes du concours. Ces précieuses briques sont conservées dans un simple frigo. Randy Redberg est le maître des lieux. C'est l'un des fondateurs du concours iGEM. Après une longue carrière dans l'informatique, il voit en la biologie synthétique la nouvelle frontière des ingénieurs. Il est à l'origine avec Tom Knight du concept même des biobriques. Nous avons 5000 biobriques dans ce frigo qui ont été créées par les précédentes équipes d'iGEM. Quand les étudiants les reçoivent, ils peuvent mettre de l'eau pour réhydrater l'ADN, l'aspirer dans une pipette, l'introduire dans une cellule et la faire se multiplier pour qu'elle fasse à peu près tout ce qu'ils veulent. Quand ils reçoivent ces briques, les étudiants sont très excités parce que pour la première fois, ils disposent d'un millier de vrais morceaux d'ADN avec lesquels ils peuvent construire tout ce qu'ils veulent. Et ça, c'est quelque chose que leurs professeurs n'ont jamais pu faire de toute leur carrière. Cambridge, en Angleterre, l'une des plus prestigieuses universités mondiales,
ne manquerait pour rien au monde le concours. Chaque année, le top départ est donné en juillet. L'excitation est à son comble chez les apprentis ingénieurs. Comme 130 équipes concurrentes, celle de Cambridge doit imaginer une machine biologique construite à partir des biobriques du MIT. Mais il ne suffit pas de programmer un nouvel ADN. Encore faut-il qu'il s'anime et devienne un véritable organisme vivant. Pour y parvenir, les étudiants doivent insérer leur programme dans un châssis. Le châssis idéal, c'est une bactérie, Escherichia coli, dite E. coli. Elle est sortie de l'anonymat en 2011. Certaines souches extrêmement virulentes ont été à l'origine d'intoxications alimentaires, parfois mortelles. Mais en temps normal, c'est une star des biologistes, utilisée par tous les chercheurs, car son génome est très bien connu. La meilleure preuve que toutes les souches d'E. coli ne sont pas mortelles, c'est que nous en hébergeons des milliards sur notre peau et dans tout le corps. Nous en comptons même plus que de cellules. Ces bactéries nous sont indispensables. Celles qui séjournent dans notre intestin, par exemple, permettent la digestion. C'est un organisme simple, doté d'une seule cellule, avec un avantage majeur. Aucun noyau ne protège l'ADN. On peut donc la vider d'une grande partie de son ADN superflu et ne conserver que les gènes indispensables à sa survie. Les ingénieurs du vivant peuvent ensuite lui injecter des biobriques pour lui conférer une nouvelle fonction. Par exemple, des morceaux d'ADN de la luciole qui lui permettent de diffuser de la lumière. La bactérie peut donc lire un nouveau programme génétique et l'exécuter. Paul, un Français étudiant de l'équipe de Cambridge, a passé tout l'été à bricoler de l'ADN pour que des bactéries clignotent en bleu. Dans cette flasque, on a une colonie d'Escherichia coli, qui est une bactérie qui d'habitude vit dans la flore intestinale, dans laquelle on a introduit des gènes de bactéries vivant en symbiose dans des animaux marins comme les poulpes. Et dans les poulpes, ces bactéries émettent une lumière utilisée par le poulpe pour attirer des proies. Et ici, donc, on a la même lumière qui est émise, donc on est une colonie émet une lumière bleue. Dans le concours à EGEM, les étudiants sont appelés à dépasser la dimension purement technique de leur projet et à penser à des applications concrètes. Pour imaginer leurs bactéries lumineuses Iglolae dans le futur, l'équipe de Cambridge a fait appel à Alexandra Daisy Ginsberg, une designer anglaise experte en biologie synthétique. En tant que designer, la biologie synthétique m'intéresse par les nouveaux matériaux ou procédés de fabrication qu'elle rend possible. En tant qu'artiste, je suis intéressée par le fait qu'on puisse intervenir à cette frontière entre ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas, par la place que cette nouvelle technologie pourrait avoir pour nous dans l'avenir. Avec notre projet cette année, on cherche à produire de la bioluminescence, donc de la lumière par des bactéries. Il peut y avoir beaucoup d'applications dans nos vies quotidiennes. On peut imaginer par exemple que les réverbères dans la rue pourraient être remplacés par des arbres luminescents. 4 mois plus tard, l'équipe de Cambridge et toutes les autres, 1500 étudiants du monde entier, viennent enfin présenter leurs créatures microscopiques. Des machines biologiques qui se veulent utiles à l'humanité ou simplement aussi fun que des applications pour iPhone. In our case, we are building a bacterial system. On a construit un système bactérien qui peut détecter les cellules cancéreuses. Pour les pays en développement, les systèmes de détection sont indispensables, mais doivent être accessibles. On s'est juste dit qu'on pouvait, avec un système bactérien, parvenir à la même efficacité qu'avec les technologies très coûteuses qui existent aujourd'hui. Le nom de notre projet, c'est les levures folles de Mars. Et elles sont folles parce qu'elles ont le même système prionique que les vaches folles. Et notre but, c'est d'assombrir la couleur de Mars pour la rendre habitable par les humains. Ces jeunes Espagnols reprennent un thème classique de la science-fiction, le terraforming, ou le fantasme de transformer l'environnement d'une planète pour la rendre vivable. Mais qu'il soit un peu fantaisiste comme celui-là, ou utile comme la détection du cancer, ces projets n'ont pas vocation à être commercialisés. L'objectif,
c'est de démontrer que la biologie du 21e siècle est accessible à de très jeunes étudiants. Qu'ils peuvent accomplir quelque chose d'efficace en 4 mois seulement. Quand j'ai lancé iGEM, mes amis du MIT, qui sont des professeurs de biologie et donc des gens très intelligents, m'ont dit que ce que je faisais était mal. Que je me moquais des étudiants en leur faisant croire qu'ils pourraient accomplir quelque chose en un été. J'aimerais faire un petit sondage. Selon votre expérience d'iGEM, est-ce que la biologie est trop complexe pour des étudiants non diplômés ? Non. Ok. Je crois qu'on a répondu à la question. En 6 années d'existence, le concours iGEM a vu défiler des projets de plus en plus sophistiqués. Des Suisses qui s'attaquent aux moustiques pour les empêcher de disperser le paludisme, à l'équipe de Pékin, avec son kit biologique de décontamination de l'eau polluée aux métaux lourds, ou encore l'équipe de Cambridge en Angleterre et ses bactéries lumineuses supposées illuminer le monde. Nous sommes l'équipe iGEM de Cambridge et voici Igloli. La lumière a fasciné les gens pendant des milliers d'années. Pourtant, la biologie synthétique ne s'est pas vraiment intéressée à sa production. Et jusqu'ici, aucune biobrique du registre ne permettait une production autonome de lumière. Les participants au concours iGEM sont 2 fois plus nombreux chaque année. Tous séduits par ce mélange de fun, d'une apparente facilité et de résultats concrets qui est une manière radicalement nouvelle de faire de la biologie. C'est vraiment excitant, car pour moi, la biologie, c'était juste observer des processus, regarder des trucs. Mais être un ingénieur, c'est vouloir construire par soi-même. La biologie se construit toute seule et pourtant, je peux agir sur ce processus. C'est incroyable. Cette frontière est vraiment fascinante. C'est une nouvelle approche pour faire la même chose plus vite et en mieux. En fait, c'est le génie génétique amélioré par les pièces biologiques standardisées qui sont très importantes. C'est la partie ingénieur de la compétition iGEM. Comment intégrer toutes les séquences d'ADN qu'on obtient dans les micro-organismes qu'on veut construire? Cette future génération illustre une rupture majeure avec la biologie traditionnelle. Les ingénieurs veulent utiliser le vivant, non plus seulement pour le comprendre ou le modifier, mais pour en fabriquer un de toutes pièces, plus utile. Si cette révolution est aujourd'hui possible, c'est grâce à un immense bond technologique. Quand vous êtes en laboratoire, à peu près tout doit être fait manuellement. En tant qu'ingénieur, je trouve ça pénible. Tout est assez basique et ennuyeux. Pas ennuyeux, mais fastidieux. Ce sont les ordinateurs qui devraient faire ce travail. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment envie de changer. Chaque chose que je vois dans le labo, je me dis, ça devrait être automatisé. On peut faire ça plus vite. L'automatisation, c'est justement ce qui permet à la biologie de changer d'échelle. En 10 ans, les techniques ont doublé en performance chaque année, à des coûts de plus en plus faibles. L'illustration la plus spectaculaire, c'est le séquençage des quelques 20 000 gènes du génome humain, soit 6 milliards de bases ATGC, les 4 lettres élémentaires de l'alphabet génétique. Pour y parvenir, il aura fallu 13 ans et 2,5 milliards d'euros. Jean Wessenbach a participé à cette grande aventure. Il a été le témoin de l'explosion des techniques qui permettent, 10 ans plus tard, de séquencer un génome entier en quelques semaines pour quelques milliers d'euros. Est-ce que l'automatisation a été un élément déterminant? Bien sûr, elle l'a été parce que on est obligé de faire des expériences à très grande échelle, tout simplement parce qu'on n'est pas sûr du résultat qu'on va obtenir. Donc on va tester tout un tas de petites variations qu'on a introduites jusqu'à trouver celle qui est optimale. L'automatisation, c'est aussi ce qui permet de fabriquer à la commande les fameuses biobriques du MIT. La possibilité de copier des fragments génétiques de manière quasi industrielle. Après la chimie de synthèse, c'est l'avènement de la biologie de synthèse. La société GeneArt en Allemagne
est l'un de ces nouveaux industriels de la biologie. Dans ses locaux high-tech, 8 millions de bases synthétiques sont produites par mois. En fonction de la commande, un ordinateur dirige l'assemblage des bases A, T, G et C pour créer de toutes pièces un ADN artificiel. Les chercheurs peuvent commander des gènes complets sur Internet, les faire fabriquer sur mesure, à des tarifs de plus en plus abordables. 10 to 20 times more costly. Il y a 10 ans, les gènes coûtaient 10 à 20 fois plus cher qu'aujourd'hui. Seuls quelques chercheurs pouvaient se permettre d'acheter des gènes synthétiques, et même quand ils essayaient de les fabriquer eux-mêmes, ça leur coûtait très cher. Aujourd'hui, ils peuvent tout simplement les commander en ligne à un prix plus qu'acceptable, entre 500 et 1000 euros, au lieu de 20 ou 50 000 euros. Il y a 10 ans, ça prenait aux compagnies et aux chercheurs plusieurs mois pour fabriquer un gène. Aujourd'hui, on peut le faire en 5 jours. Cette démocratisation pose un évident problème de sécurité. Si quelques clics de souris suffisent à commander des gènes synthétiques sur Internet, comment en empêcher l'utilisation malveillante? Selon Gene Hart, des contrôles stricts garantissent que les gènes synthétiques ne sont livrés qu'à des entreprises et laboratoires autorisés à les commander. En fait, on vérifie chaque client qui passe une commande à Gene Hart, ainsi que chaque séquence demandée. Si c'est une séquence douteuse, si elle peut être utilisée à mauvais escient ou si elle est référencée sur des listes, on demande la permission aux autorités du pays ou on refuse la commande. Or we simply deny the order. Now that age is upon us. The latest milestone. Gene Hart travaille avec les plus grands laboratoires de recherche mondiaux. Ils ont par exemple fourni toutes les biobriques qui ont permis de créer le premier génome synthétique complet de l'histoire. Cette prouesse technique est l'œuvre de Craig Venter, un scientifique réputé dans le monde des biotechnologies pour un ego, une audace et des moyens financiers considérables. Venter a mis 15 ans pour créer ce génome entier. Avec l'aide de puissantes machines, son équipe a pu assembler l'ADN complet d'une bactérie avant de l'introduire dans un châssis, une autre bactérie vidée de son propre ADN. Ce nouvel organisme s'est animé et reproduit. C'est la première fois qu'un organisme vivant se développe avec un ADN entièrement conçu par la main de l'homme. Craig Venter suscite des réactions très contrastées. Ses performances techniques impressionnent, mais son ambition assumée de créer la vie agace et inquiète. Parmi ses détracteurs, l'ETC Group, un comité de vigilance canadien qui analyse les conséquences des nouvelles technologies. C'est surtout un lanceur d'alerte. L'un de ses porte-parole, Jim Thomas, un ancien de chez Greenpeace, craint que Venter n'ambitionne de contrôler l'industrie du vivant. On voit des sociétés comme Synthetic Genomics de Craig Venter, qui espère qu'il sera le Microsoft de la biologie synthétique, ou le Microbsoft, devrait-on dire. Ces gens essaient de verrouiller des positions incontournables et d'acquérir les techniques clés afin de contrôler la discipline tout entière. On a vu ça se produire avec les logiciels, avec les OGM, avec les nanotechnologies. Et maintenant, c'est en train de se produire pour la biologie synthétique. Comme l'informatique, la biologie synthétique veut conquérir le monde. Et d'ailleurs, le destin de ces deux disciplines est aujourd'hui intimement lié. Les progrès de la biologie synthétique dépendent étroitement de ceux de l'informatique, de l'augmentation constante de la puissance de calcul des ordinateurs. Le code génétique et le code informatique ont un point commun. Une quantité colossale d'informations qui peuvent être traitées de plus en plus rapidement. L'analogie entre ces deux disciplines va encore plus loin. Dans les années 70,
des jeunes fascinés par les débuts de l'informatique se retrouvaient sous le nom du Homebrew Computer Club dans leur garage pour tenter des expériences. C'est là que Steve Jobs, fondateur d'Apple, créa son premier ordinateur. La biologie synthétique exerce la même fascination aujourd'hui. Les jeunes passionnés par cette nouvelle discipline se sont regroupés sous le nom de « Do It Yourself Biology », la biologie maison en quelque sorte. Surnommés les biohackers, en référence aux pirates informatiques, les hackers, ces étudiants sont souvent présentés comme des apprentis sorciers, bricolant de l'ADN dans leur garage. Ces amateurs sont surtout des passionnés de science et de technologie, de véritables champions de la débrouille. Avec une dizaine d'euros, Mac, Dan et Dakota ont mis au point un bioréacteur, une machine capable de cultiver des algues et d'en extraire du carburant. On a essayé de fabriquer ce bioréacteur avec des matériaux facilement accessibles et bon marché. Deux bouteilles de 2 litres qu'il vous reste après avoir bu votre soda. Dan et son grand-père ont assemblé ça avec des bouts de bois. Ça, ce sont des tubes qu'on a eu à l'école. Et le système de pompage qu'on utilise, on l'a trouvé dans le grenier de notre école. Il traînait là depuis 10 ans au moins. Et le système d'éclairage a coûté $5. Tout l'intérêt, c'est d'arriver à fabriquer ça avec quelques dollars pour que n'importe qui puisse le faire. Ça nous a coûté peut-être $20 en tout. Ce qu'on trouve dans les labos peuvent coûter plusieurs centaines de milliers de dollars. Jason Bob et moi avons fondé DIY Bio en 2008. Des amis communs nous ont présentés et on s'est découvert une passion commune pour la science non institutionnelle. Et quelques semaines plus tard, on s'est retrouvés avec des copains et on a commencé des expériences de biologie moléculaire à la MacGyver. Ce sont des gens qui sont surtout intrigués par les biotechnologies et qui se disent qu'on n'a peut-être pas besoin d'être un génie avec un doctorat pour pouvoir faire ça. Ces biologistes amateurs présents sur les 5 continents s'inspirent des géants de la biologie synthétique. Craig Venter vient de recevoir $600 millions du pétrolier ExxonMobil pour faire produire du carburant à des algues synthétiques. Ces algues sont naturelles, mais la différence avec ce que font Craig Venter et Synthetic Genomics, c'est qu'ils examinent le génome et la structure ADN de ces organismes pour essayer de reprogrammer synthétiquement ces algues avec un bien meilleur rendement. Nos algues ont un rendement de 20 à 30 %, mais celles qui sont synthétiques peuvent dépasser les 50 %. Ces biohackers avouent la modestie de leur démarche. Mais ils rêvent du jour où ils pourront programmer des cellules comme on crée des logiciels informatiques. Une sophistication encore lointaine, selon Drew Endy lui-même, l'un des fondateurs de la biologie synthétique. On dit qu'on écrit des programmes ADN aujourd'hui, mais est-ce que ces programmes ressemblent à ceux qu'on met dans un ordinateur? Pas vraiment. Ça ressemble plus aux programmes que vous trouvez dans les jouets pour enfants. Un petit robot en Lego, par exemple, que vous programmez pour réagir à la lumière ou pas, bouger par là ou pas. C'est le genre de sophistication que nous avons avec nos programmes ADN aujourd'hui. Nous sommes au tout début de la programmation des cellules. Ce n'est pas comme les ordinateurs dans la sophistication, mais ça l'est dans l'ambition. Même si la biologie de synthèse paraît être une technologie naissante, dont l'efficacité reste modeste, des milliards de dollars sont déjà investis pour la rendre opérationnelle à grande échelle. Carburant, médicaments, plastique. Tout ce que la chimie de synthèse a produit de façon coûteuse et polluante, la biologie de synthèse se propose de le produire de manière écologique, à partir de matières vivantes. Une sorte de chimie verte qui fait des microbes les nouvelles usines du 21e siècle. Premier produit sur le point d'arriver sur le marché, c'est un médicament, l'artémisinine de synthèse. Cette molécule thérapeutique est une cause inattaquable. C'est le traitement curatif le plus efficace d'un fléau pour les pays du Sud, le paludisme ou malaria. Chaque année, l'épidémie tue 1 million de personnes, surtout des enfants de moins de 5 ans. L'artémisinine naturelle est extraite de l'armoise, une plante cultivée principalement en Asie et en Afrique de l'Est. Mais elle est de plus en plus rare,
Sa production est longue et coûteuse et reste très insuffisante. Jay Kisling, un ingénieur californien, est à l'origine d'une découverte majeure. Il a trouvé le moyen de produire de l'artémisinine de synthèse grâce à des bactéries reprogrammées. Après le laboratoire et la preuve de concept, c'est le géant pharmaceutique français Sanofi Aventis, à l'autre bout de la planète, qui doit industrialiser le procédé. Ce qu'a développé Kisling est quelque chose qui relève d'un procédé de laboratoire. Ils avaient déjà des performances qui étaient intéressantes. Mais ensuite, quand il s'agit de passer de l'échelle d'une vingtaine de litres maximum à des fermenteurs qui seront des fermenteurs de l'ordre de 100 à 200 mètres cubes, qui sont des fermenteurs de taille industrielle. Ça, c'est un travail qui n'avait pas ou peu été approché par l'équipe de Kisling et d'Amiris et qu'on a largement développé pour pouvoir être capable d'aller en phase d'industrialisation. C'est donc en Californie, dans la baie de San Francisco, que l'histoire a commencé il y a 10 ans. Avant de croiser la route de l'artémisinine, Jay Kisling travaillait sur des levures, des organismes aussi simples que les bactéries. Un modèle comme un autre pour se lancer dans l'aventure de la biologie synthétique. Avant ça, mon laboratoire a passé 10 ans à développer des outils pour transformer des levures et la bactérie E. coli. Au moment de choisir un produit pour nos expériences, l'un de mes étudiants m'a dit « Tiens, regarde cet article sur l'artémisinine ». On s'est dit « Super, c'est un produit aussi bien qu'un autre ». À part mes cours de biologie, je ne savais pas grand-chose sur le paludisme. On a donc appris beaucoup sur les circuits métaboliques et on s'est mis au travail. Les circuits métaboliques sont des cascades de transformation chimique. C'est par exemple tout le chemin parcouru entre le principe actif naturel de l'armoise et ce qui deviendra 18 mois plus tard de l'artémisinine, une molécule thérapeutique. Ce circuit, modifié par la biologie synthétique, permet de réduire ce délai d'un an et de produire beaucoup plus de médicaments. Pour obtenir un microbe capable de produire de l'artémisinine, on a dû prendre le circuit métabolique de l'armoise, la plante originelle, et insérer ce circuit à l'intérieur d'une levure. Cela a permis à la levure de produire l'artémisinine. Pour financer ses recherches, Jay Kisling a reçu 42,5 millions de dollars de la Fondation Bill Gates, engagée dans la lutte contre le paludisme. Une partie de ces fonds a servi à créer la société Amiris en 2005. Une compagnie à la mentalité très californienne, qui ne recrute que des salariés mus par une même ambition, avoir un impact positif sur le monde. On s'est dit, waouh, de toutes les choses utiles qu'on peut imaginer faire en utilisant la biologie synthétique, améliorer la disponibilité de ce médicament qui connaissait en 2004 une véritable pénurie, ça permettrait de fournir un traitement à chaque enfant atteint du paludisme. Et franchement, même si j'adore la technologie comme tout le monde ici, ça, c'est la raison pour laquelle on se lève chaque matin. Ce qui a séduit la Fondation Gates, c'était l'idée d'utiliser la biologie synthétique pour répondre au grave manque d'antipaludéens efficaces. D'ici 2013, la moitié de la production mondiale d'artémisinine, assurée jusque-là par des paysans d'Asie et d'Afrique, sera remplacée par les cuves de fermentation de Sanofi Aventis. Ce qui est prévu, c'est que, en fait, on équilibre le marché à un prix qui soit un prix d'équilibre qui ne laisse pas les paysans d'un côté. Donc, on va contrôler d'une certaine manière les quantités qui seront cultivées, les surfaces qui seront cultivées, avec la production qui sera faite d'une manière synthétique. Même si l'objectif est de sauver des vies, l'ETC Group craint des conséquences dramatiques sur le revenu des producteurs d'artémisinine et à terme de toutes les ressources naturelles. Si des sociétés comme Sanofi Aventis sont capables de produire de l'artémisinine dans des cuves, que ce soit à Berkeley ou en République tchèque, ça aura un effet majeur sur le mode de subsistance de ces paysans africains. Et ce n'est pas uniquement l'artémisinine.
On voit les entreprises de biologie synthétique essayer de produire de la réglisse dans des cuves, de la vanille dans des cuves, du caoutchouc dans des cuves. Toutes ces marchandises dont dépend la subsistance de vraies personnes. De fait, la biologie de synthèse pourrait remplacer la plupart des produits naturels. Jake Isling et Amiris en font déjà l'expérience. En modifiant quelques étapes, les bactéries reprogrammées pour obtenir de l'artémisinine peuvent aussi fabriquer une grande variété de produits. Du caoutchouc, de la vitamine A, ou encore et surtout du carburant. On s'est donc demandé ce qu'on allait faire. Et en envisageant les défis les plus difficiles, celui qui nous motivait le plus, c'était cette idée de produire un carburant sans compromis. Par sans compromis, je veux dire que ses qualités seraient meilleures que celles des produits issus du pétrole. Pas « tiens, j'aimerais utiliser un produit renouvelable, mais il coûte beaucoup plus cher et il ne marche pas très bien dans ma voiture ». Non, ce serait le même prix, et ce serait aussi bien si ce n'est mieux. Avec la biologie synthétique, les compagnies pétrolières ont peut-être trouvé la réponse à l'après-pétrole. Leur nouveau pétrole, c'est la biomasse. Le bois, les plantes, les résidus végétaux et alimentaires. La biomasse englobe tout ce que la planète compte de matière vivante à convertir en énergie. Les biocarburants de première génération sont très critiqués car fabriqués à partir de ressources, comme les céréales ou la betterave. Des ressources alimentaires indispensables aux pays en développement. La biologie synthétique affirme qu'elle va régler ce problème en utilisant une autre biomasse pour nourrir ces bactéries reprogrammées, sans concurrence avec l'alimentation, comme les déchets végétaux. Mais pour les écologistes comme l'ETC Group, cet argument est un leurre. Quelle qu'elle soit, la biomasse n'est pas inépuisable. La surexploiter pourrait s'avérer catastrophique à long terme. Les nouvelles compagnies de biologie synthétique, comme Amiris, aiment à dire qu'ils participent à la nouvelle économie verte, qui va remplacer le pétrole par l'utilisation de la biomasse et des sucres. En réalité, ces compagnies ont des accords avec les compagnies pétrolières, avec Total, avec BP, avec Shell, avec Chevron. Et au bout du compte, ce seront les mêmes grosses compagnies qui contrôleront ces nouvelles ressources. Le problème avec ça, c'est que vous changez les matières premières, et donc vous changez l'économie dans laquelle on vit. Il n'y a tout simplement pas assez de biomasse pour faire ça. Si la biologie synthétique tient ses promesses, c'est toute l'économie mondiale qui devra s'adapter à une nouvelle révolution industrielle. Mais a-t-on suffisamment de recul pour propulser cette technologie naissante dans notre vie quotidienne? L'arbre du vivant, qui a permis l'évolution de toutes les espèces, va connaître une nouvelle branche. Une branche artificielle, faite d'espèces créées par la main de l'homme. Qui peut garantir que ces nouveaux organismes ne vont pas dominer et détruire nos écosystèmes naturels? Pour contrer ces peurs, Randy Redberg, l'une des grandes figures de la biologie synthétique, s'appuie sur son expérience de l'informatique. Il a vu la naissance des premiers ordinateurs dans les années 60 et le fantasme de machines qui allaient devenir des cerveaux géants, remplaçant la main de l'homme. Pour lui, les peurs liées à la biologie synthétique seront aussi infondées. Les ordinateurs se sont améliorés de plus en plus, mais ils ne sont pas devenus plus intelligents. Ils sont devenus meilleurs en musique, en graphisme, dessin, interface, en communication, en réseau. Je pense que c'est un peu la même chose pour la biologie synthétique. Se demander si on crée de la vie ou pas, si c'est une forme d'évolution ou pas, n'est pas le plus important pour décrire la biologie synthétique. Le point fondamental, c'est que nous pouvons construire des systèmes qui peuvent faire des choses importantes. Il faudrait donc considérer les espèces synthétiques comme n'importe quelle autre technologie. À la différence près que les bactéries reprogrammées sont des espèces vivantes qui vont évoluer. Aussi, pour d'autres scientifiques, des précautions s'imposent. Leur solution ? Créer un nouveau code génétique incompatible avec le vivant tel qu'il existe dans la nature. Philippe Marlière et ses collègues ont essayé de changer l'une des quatre lettres de l'ADN. Ce nouvel alphabet génétique ne serait plus ATGC, mais AXGC. L'expérience était intéressante parce que d'abord, il était impossible de dire s'il serait
possible, par un moyen purement automatique, extrêmement simpliste, de forcer une bactérie conventionnelle à adopter au cœur de sa matière génétique une lettre que nous aurions décidée. Alors, est-ce que ce serait possible? Et deuxièmement, si c'était possible, combien de temps ça prendrait? Combien d'étapes d'adaptation génétique? Pour se reproduire, les bactéries ont besoin des quatre bases chimiques ATGC. Pour forcer la bactérie à dépendre d'une base artificielle X, l'équipe de Philippe Marlière a mis au point une culture de bactéries automatisée. Quand les bactéries ont du mal à proliférer, la machine leur donne la base naturelle T. Quand au contraire, elles se reproduisent massivement, elles reçoivent la base artificielle X. À la surprise des chercheurs eux-mêmes, la bactérie s'est mise à proliférer de mieux en mieux avec la base artificielle X. En l'espace de 5 mois seulement, elle s'est complètement adaptée au changement de son texte génétique. Maintenant, on va essayer de changer les 3 autres bases. D'abord séparément, et puis ensuite on va essayer de les changer tout ensemble, de manière à s'éloigner le plus possible du vivant tel qu'on le connaît. Mais il est clair que le jeu en vaut la chandelle, parce que, ce faisant, on va parvenir à des espèces vraiment artificielles pour le coup, et qui vont dépendre d'ingrédients qu'il n'y a absolument pas dans la nature et qu'elles sont incapables de fabriquer elles-mêmes. Le pari de Philippe Marlière, c'est que plus les espèces synthétiques seront différentes des espèces naturelles, et moins elles pourront se mélanger. Mais cette capacité de réécriture du code génétique pose une autre question. Et s'il devenait possible de créer de nouveaux organismes, plus dangereux? Certains parlent déjà de bioterrorisme, de bacilles synthétiques de l'anthrax ou de la peste. Il n'est pas du tout évident que des gens vont créer en laboratoire des virus plus dangereux que ceux qui existent dans la nature. Je ne dis pas qu'on ne pourrait pas le faire dans 100 ans, mais la nature se débrouille plutôt bien. Fièvre hémorragique, Ebola, HIV, SARS, la grippe, il y a déjà pas mal de bons exemples et il y en aura probablement d'autres. Les jeunes d'iGEM, nos futurs biologistes synthétiques, n'ont pas peur de se projeter dans un futur peuplé de leurs créations bactériennes. 1, 2, 3. En 2009, l'équipe de Cambridge avait remporté le Grand Prix d'iGEM pour son projet iChromai. Leur bactérie synthétique était capable de prendre plusieurs couleurs selon le contexte. La designer Daisy Ginsberg, déjà consultante pour l'équipe, avait imaginé plusieurs scénarios sur 100 ans, dans lesquels ces pigments bactériens pourraient remplacer les colorants alimentaires ou colorer le ciel en cas de pollution. Sa vision en 2049, c'est que de telles bactéries modifiées pourraient servir de système d'autodiagnostic pour toutes sortes de maladies. L'une des propositions, c'était cette idée qu'un jour, peut-être en 2049, ce serait socialement acceptable d'avaler iChromai sous forme de yaourt à boire. Ces bactéries modifiées coloniseraient alors votre intestin pour surveiller les maladies. Lorsqu'elles détecteraient quelque chose, des composés chimiques produits par les pathogènes, elles se mettraient à produire de la couleur, et ce serait très facile à voir dans vos excréments. Alors on a fait une valise d'excréments qu'on a emmenée à iGEM. Et certains ont trouvé ça vraiment dégoûtant. C'était un très bon moyen de tester les réactions des gens. D'autres ont trouvé que c'était une idée géniale. Mais peut-être que l'on n'est pas encore tout à fait prêt pour ça. Les fondateurs du concours iGEM, Drew Handy et Randy Redberg, rêvent d'un futur où la biologie synthétique fera partie intégrante de nos vies. Où notre peau ne serait pas seulement un repère de bactéries, mais une fabrique vivante de parfums. Imaginez qu'on puisse reprogrammer les bactéries qui vivent sur notre peau pour générer différentes fragrances. À quoi ressemblerait l'industrie du parfum? Un industriel qui aurait mis au point un cocktail de produits chimiques formant un excellent parfum pourrait travailler avec des ingénieurs en biologie synthétique pour faire fabriquer ces composants par un micro-organisme, un organisme qui vit sur notre peau. Comment diffuser ce nouveau parfum dans le monde entier? En le mettant sur Internet. Sous quelle forme? Sous la forme d'une séquence d'ADN qui programme les composants constituant le parfum. Partout dans le monde, les gens pourraient télécharger cette séquence d'ADN, la synthétiser sur place et modifier leur peau avec un parfum vivant.
Je pense que la biologie synthétique va entrer dans nos vies d'abord par les annonces d'avancées scientifiques, puis, au cours de la prochaine décennie, par les exemples de certaines entreprises qui auront réussi à accomplir quelque chose, à soigner des maladies de cette manière. Et puis, dans les 20 ans qui suivront, il devrait y avoir des percées importantes. Les gens commenceront à en entendre vraiment parler et à l'utiliser personnellement. Dans 50 ans ? Je ne sais pas. C'est assez long, mais c'est l'échelle de temps qu'il faut envisager pour des changements de l'ampleur de ceux dont nous parlons. C'est excitant au début, mais à la fin, tout le monde l'a, et ça semble totalement normal. Propulser sur le marché une technologie dont on sait très peu de choses, sans aucun contrôle, régulation ou surveillance, c'est la recette d'un désastre. Car quand cette industrie va rencontrer des problèmes et que quelque chose va aller de travers, comme ça va inévitablement être le cas, ce sera à large échelle, ici, dans le vrai monde, et pas seulement en laboratoire. La biologie synthétique, comme le reste des biotechnologies, sont des domaines si mouvants, au potentiel si bouleversant, que leur portée ne peut s'envisager que sur plusieurs décennies. Et pourtant, de demi-siècle en demi-siècle, même si la science dépasse les obstacles techniques, les questions fondamentales demeurent. En 1962, le biologiste visionnaire Jean Rostand s'interrogeait déjà sur le devenir de l'ADN, le DNA en anglais, comme on l'appelait à l'époque. Mais il est certain que par un moyen ou par un autre, les chimistes finiront par modifier le DNA. Ils feront une sorte d'industrie du DNA, comme on fait l'industrie des matières plastiques. On fera des super DNA, on finira par falsifier le DNA naturel, par le frelater en y introduisant des molécules étrangères. Et alors vous voyez tout ce que cela ouvre d'espoir, de perspective pour l'homme, et aussi, disons-le, d'inquiétude. Je vous avoue que pour ma part, car un biologiste a quand même le droit d'être un homme, je doute que l'homme soit actuellement mûr pour prendre en main la commande chimique de son destin. Mais le sera-t-il jamais ? À l'étude la semaine prochaine, une maladie dont le traitement reste toujours difficile, la maladie de Lyme. Mais pour l'heure, place à une réflexion pleine d'humour sur l'homme, sa libido et une certaine petite pilule magique. Le fameux MIT, Massachusetts Institute of Technology, aux États-Unis. Toujours à la pointe de l'innovation. Des grandes premières technologiques, comme la micro-informatique dans les années 70. Et comme à l'époque, la révolution vient non pas des chercheurs, mais des ingénieurs. Pragmatiques, concrets, bricoleurs, ils sont capables d'inventer, fabriquer des machines vivantes, sans être spécialistes de la biologie. Think of an automobile. Pensez à une voiture. Imaginez que vous n'en ayez jamais vu de votre vie et que vous vouliez comprendre comment ça marche. L'une des solutions, c'est de la mettre en pièces, d'étudier ces pièces, d'essayer de formuler des théories sur leur fonctionnement, de faire des listes de ses composants. Mais il y a une autre manière de faire les choses. Votre voiture est en pièces détachées. Maintenant, il faut essayer de les remettre ensemble. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Est-ce que ça va vraiment dans le moteur ? Puis-je le laisser de côté ? Et à la fin, vous remettez tout ensemble, vous tournez la clé, est-ce que la voiture démarre ? Construire et apprendre en construisant, c'est une démarche très efficace en matière de découverte scientifique. Et ça n'a jamais été appliqué dans le domaine de la biologie. Drew Endy est considéré comme le plus doué de sa génération, un avant-gardiste, le premier théoricien de la biologie de synthèse. Dès 2005, il crée le premier cours de cette discipline. Ses élèves, des apprentis ingénieurs. Pour passionner les jeunes avec cette nouvelle approche de la biologie, il lance avec des collègues un grand concours de biologie synthétique, iGEM.
Les participants d'iGEM doivent présenter au jury des machines biologiques, des machines vivantes. Pour les ingénieurs comme Drew Andy, la nature est une technologie comme une autre, une gigantesque caisse à outils de fonctions miraculeuses, comme la capacité qu'ont les plantes, par exemple, à transformer la lumière du soleil en énergie. Je suis un ingénieur. J'aime la biologie car elle fait partie de ce que nous sommes. Mais c'est aussi un outil de fabrication très puissant. Une feuille, pensez juste à une feuille d'une plante. C'est un panneau solaire auto-assemblé qui se recycle tout seul. C'est extraordinaire en fait, et ça fonctionne vraiment. Donc imaginez si on pouvait reprogrammer des choses comme ça avec de tels pouvoirs. Ce qui fascine les ingénieurs, c'est de construire des machines complexes à partir de composants très simples et standardisés, comme les ordinateurs, véritable addition de processeurs, de mémoire, de nombreuses pièces détachées. Appliquée à la biologie, et grâce à une connaissance très approfondie des espèces vivantes, le défi est d'isoler sur l'ADN des fragments, des gènes, aux fonctions bien précises, pour en faire des pièces standards et interchangeables. C'est l'avènement de la biologie de synthèse. La société GeneArt en Allemagne est l'un de ces nouveaux industriels de la biologie. Dans ses locaux high-tech, 8 millions de bases synthétiques sont produites par mois. En fonction de la commande, un ordinateur dirige l'assemblage des bases A, T, G et C pour créer de toutes pièces un ADN artificiel. Les chercheurs peuvent commander des gènes complets sur Internet, les faire fabriquer sur mesure, à des tarifs de plus en plus abordables. 10 to 20 times more cost. Il y a 10 ans, les gènes coûtaient 10 à 20 fois plus cher qu'aujourd'hui. Seuls quelques chercheurs pouvaient se permettre d'acheter des gènes synthétiques, et même quand ils essayaient de les fabriquer eux-mêmes, ça leur coûtait très cher. Aujourd'hui, ils peuvent tout simplement les commander en ligne à un prix plus qu'acceptable, entre 500 et 1000 euros, au lieu de 20 ou 50 000 euros. Il y a 10 ans, ça prenait aux compagnies et aux chercheurs plusieurs mois pour fabriquer un gène. Aujourd'hui, on peut le faire en 5 jours. Cette démocratisation pose un évident problème de sécurité. Si quelques clics de souris suffisent à commander des gènes synthétiques sur Internet, comment en empêcher l'utilisation malveillante? Selon GeneArt, des contrôles stricts garantissent que les gènes synthétiques ne sont livrés qu'à des entreprises et laboratoires autorisés à les commander. En fait, on vérifie chaque client qui passe une commande à GeneArt, ainsi que chaque séquence demandée. Si c'est une séquence douteuse, si elle peut être utilisée à mauvais escient ou si elle est référencée sur des listes, on demande la permission aux autorités du pays ou on refuse la commande. Or we simply deny the order. Now that age is upon us. The latest milestone. GeneArt travaille avec les plus grands laboratoires de recherche mondiaux. Ils ont par exemple fourni toutes les biobriques qui ont permis de créer le premier génome synthétique complet de l'histoire. Cette prouesse technique est l'œuvre de Craig Venter, un scientifique réputé. Puis, au cours de la prochaine décennie, par les exemples de certaines entreprises qui auront réussi à accomplir quelque chose, à soigner des maladies de cette manière. Et puis, dans les 20 ans qui suivront, il devrait y avoir des percées importantes. Les gens commenceront à en entendre vraiment parler et à l'utiliser personnellement. Dans 50 ans? Je ne sais pas. C'est assez long, mais c'est l'échelle de temps qu'il faut envisager pour des changements de l'ampleur de ceux dont nous parlons. C'est excitant au début, mais à la fin, tout le monde l'a, et ça semble totalement normal.
Propulser sur le marché une technologie dont on sait très peu de choses, sans aucun contrôle, régulation ou surveillance, c'est la recette d'un désastre. Car quand cette industrie va rencontrer des problèmes et que quelque chose va aller de travers, comme ça va inévitablement être le cas, ce sera à large échelle, ici, dans le vrai monde, et pas seulement en laboratoire. La biologie synthétique, comme le reste des biotechnologies, sont des domaines si mouvants, au potentiel si bouleversant, que leur portée ne peut s'envisager que sur plusieurs décennies. Et pourtant, de demi-siècle en demi-siècle, même si la science dépasse les obstacles techniques, les questions fondamentales demeurent. En 1962, le biologiste visionnaire Jean Rostand s'interrogeait déjà sur le devenir de l'ADN, le DNA en anglais, comme on l'appelait à l'époque. Mais il est certain que par un moyen ou par un autre, les chimistes finiront par modifier le DNA. Ils feront une sorte d'industrie du DNA, comme on fait l'industrie des matières plastiques. On fera des super DNA. On finira par falsifier le DNA naturel, par le frelater en y introduisant des molécules étrangères. Et alors vous voyez tout ce que cela ouvre d'espoir, de perspective pour l'homme, et aussi, disons-le, d'inquiétude. Je vous avoue que pour ma part, car un biologiste a quand même le droit d'être un homme, je doute que l'homme soit actuellement mûr pour prendre en main la commande chimique de son destin. Mais le sera-t-il jamais ? À l'étude la semaine prochaine, une maladie dont le traitement reste toujours difficile, la maladie de Lyme. Mais pour l'heure, place à une réflexion pleine d'humour sur l'homme, sa libido et une certaine petite pilule magique. Sur 100 ans, dans lesquels ces pigments bactériens pourraient remplacer les colorants alimentaires ou colorer le ciel en cas de pollution. Sa vision en 2049, c'est que de telles bactéries modifiées pourraient servir de système d'autodiagnostic pour toutes sortes de maladies. L'une des propositions, c'était cette idée qu'un jour, peut-être en 2049, ce serait socialement acceptable d'avaler ichromaille sous forme de yaourt à boire. Ces bactéries modifiées coloniseraient alors votre intestin pour surveiller les maladies. Lorsqu'elles détecteraient quelque chose, des composés chimiques produits par les pathogènes, elles se mettraient à produire de la couleur et ce serait très facile à voir dans vos excréments. Alors on a fait une valise d'excréments qu'on a emmenée à Aijen. Et certains ont trouvé ça vraiment dégoûtant. C'était un très bon moyen de tester les réactions des gens. D'autres ont trouvé que c'était une idée géniale. Mais peut-être que l'on n'est pas encore tout à fait prêt pour ça. Les fondateurs du concours AIGEM, Drew Handy et Randy Redberg, rêvent d'un futur où la biologie synthétique fera partie intégrante de nos vies. Où notre peau ne serait pas seulement un repère de bactéries, mais une fabrique vivante de parfums. Imaginez qu'on puisse reprogrammer les bactéries qui vivent sur notre peau pour générer différentes fragrances. À quoi ressemblerait l'industrie du parfum ? Un industriel qui aurait mis au point un cocktail de produits chimiques formant un excellent parfum pourrait travailler avec des ingénieurs en biologie synthétique pour faire fabriquer ces composants par un micro-organisme, un organisme qui vit sur notre peau. Comment diffuser ce nouveau parfum dans le monde entier ? En le mettant sur Internet. Sous quelle forme ? Sous la forme d'une séquence d'ADN qui programme les composants constituant le parfum. Partout dans le monde, les gens pourraient télécharger cette séquence d'ADN, la synthétiser sur place et modifier leur peau avec un parfum vivant.
Je pense que la biologie synthétique va entrer dans nos vies d'abord par les annonces d'avancées scientifiques, puis, au cours de la prochaine décennie, par les exemples de certaines entreprises qui auront réussi à accomplir quelque chose, à soigner des maladies de cette manière. Et puis, dans les 20 ans qui suivront, il devrait y avoir des percées importantes. Les gens commenceront à en entendre vraiment parler et à l'utiliser personnellement. Dans 50 ans? Je ne sais pas. C'est assez long, mais c'est l'échelle de temps qu'il faut envisager pour des changements de l'ampleur de ceux dont nous parlons. C'est excitant au début, mais à la fin, tout le monde l'a, et ça semble totalement normal. Propulser sur le marché une technologie dont on sait très peu de choses, sans aucun contrôle, régulation ou surveillance, c'est la recette d'un désastre. Car quand cette industrie va rencontrer... Escherichia coli, dite E. coli. Elle est sortie de l'anonymat en 2011. Certaines souches extrêmement virulentes ont été à l'origine d'intoxications alimentaires, parfois mortelles. Mais en temps normal, c'est une star des biologistes, utilisée par tous les chercheurs, car son génome est très bien connu. La meilleure preuve que toutes les souches d'E. coli ne sont pas mortelles, c'est que nous en hébergeons des milliards sur notre peau et dans tout le corps. Nous en comptons même plus que de cellules. Ces bactéries nous sont indispensables, celles qui séjournent dans notre intestin, par exemple, permettent la digestion. C'est un organisme simple, doté d'une seule cellule, avec un avantage majeur. Aucun noyau ne protège l'ADN. On peut donc la vider d'une grande partie de son ADN superflu et ne conserver que les gènes indispensables à sa survie. Les ingénieurs du vivant peuvent ensuite lui injecter des biobriques pour lui conférer une nouvelle fonction. Par exemple, des morceaux d'ADN de la luciole, qui lui permettent de diffuser de la lumière. La bactérie peut donc lire un nouveau programme génétique et l'exécuter. Paul, un Français étudiant de l'équipe de Cambridge, a passé tout l'été à bricoler de l'ADN pour que des bactéries clignotent en bleu. Dans cette flasque, on a une colonie d'Escherichia coli, qui est une bactérie qui d'habitude vit dans la flore intestinale, dans laquelle on a introduit des gènes de bactéries vivant en symbiose dans des animaux marins comme les poulpes. Et dans les poulpes, ces bactéries émettent une lumière utilisée par le poulpe pour attirer des proies. Et ici, donc, on a la même lumière qui est émise, donc le nid émet une lumière bleue. Dans le concours à EGEM, les étudiants sont appelés à dépasser la dimension purement technique de leur projet et à penser à des applications concrètes. Pour imaginer leurs bactéries lumineuses Iglolae dans le futur, l'équipe de Cambridge a fait appel à Alexandra Desi-Ginsberg, une designer anglaise experte en biologie synthétique. En tant que designer, la biologie synthétique m'intéresse par les nouveaux matériaux ou procédés de fabrication qu'elle rend possible. En tant qu'artiste, je suis intéressée par le fait qu'on puisse intervenir à cette frontière entre ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas, par la place que cette nouvelle technologie pourrait avoir pour nous dans l'avenir. Avec notre projet cette année, on cherche à produire de la bioluminescence, donc de la lumière par des bactéries. Il peut y avoir beaucoup d'applications dans nos vies quotidiennes. On peut imaginer par exemple que les réverbères dans la rue pourraient être remplacés par des arbres luminescents. 4 mois plus tard, l'équipe de Cambridge et toutes les autres, 1500 étudiants du monde entier, viennent enfin présenter leur créature micro... Une substance chimique inerte où c'est déjà de la matière vivante. Quoi qu'il en soit, tout le mystère de la vie se trouve à l'intérieur de ces substances. Et ce flacon est un peu une boîte de Pandore qu'il vaut mieux refermer en attendant de vous expliquer pourquoi. Notre organisme est une extraordinaire addition de plusieurs milliers de milliards de cellules. Dans chaque cellule, un noyau contient toute l'information génétique qui détermine ce que nous sommes et ce que nous transmettons à notre descendance. Cette information génétique est stockée dans les chromosomes. Chaque chromosome est constitué de milliers de gènes, des phrases écrites avec les 4 lettres de l'alphabet de l'ADN, ATGC. Ces molécules chimiques, on les appelle les bases. Ce sont les gènes qui détiennent le secret de fabrication des protéines, c'est-à-dire la machinerie qui permet de créer des cellules et de faire fonctionner notre organisme. La magie de l'ADN, c'est d'être un langage génétique universel, commun à tous les organismes vivants connus,
de la plus petite bactérie constituée d'une seule cellule aux végétaux, animaux et aux êtres humains qui comptent plusieurs milliards de cellules. Cet ADN, c'est d'abord une quantité colossale d'informations. Dès les années 70, les biologistes tentent de lire ce code de la vie. Ils commencent par séquencer des petits génomes, comme celui de la levure. Si vous vouliez présenter à cette échelle-là la totalité de la séquence du chromosome de la levure, il faudrait multiplier ceci par 50. Donc ça nous fait déjà 2,5 km du ruban de papier. Alors l'homme, il faudra multiplier encore plusieurs centaines de fois, donc ça fera plusieurs centaines de kilomètres. Mais il ne suffit pas de lire l'ADN. Encore faut-il le comprendre. Pour traduire l'ADN, les chercheurs se lancent dès les années 70 dans une extraordinaire aventure, celle du génie génétique. Ils commencent à découvrir, parfois par hasard, la fonction de certains gènes. Ces expériences débouchent sur une découverte magistrale, la manipulation du code génétique. Il devient possible de copier et coller des gènes d'une espèce à l'autre pour transmettre des fonctions nouvelles. Jean Weissenbach est un pionnier du génome humain, l'auteur de la première carte de notre ADN. Il a accompagné toute l'aventure du génie génétique. La première application commerciale, ça a été l'insuline, qui, de toute façon, posait problème, puisque les insulines étaient essentiellement extraites, surtout de porc, mais aussi de bovins, et donc avec parfois des réactions allergiques, donc pour pouvoir éviter de fabriquer elles-mêmes. Le pari de Philippe Marlière, c'est que plus les espèces synthétiques seront différentes des espèces naturelles, et moins elles pourront se mélanger. Mais cette capacité de réécriture du code génétique pose une autre question. Et s'il devenait possible de créer de nouveaux organismes, plus dangereux? Certains parlent déjà de bioterrorisme, de bacilles synthétiques de l'anthrax ou de la peste. Il n'est pas du tout évident que des gens vont créer en laboratoire des virus plus dangereux que ceux qui existent dans la nature. Je ne dis pas qu'on ne pourrait pas le faire dans 100 ans, mais la nature se débrouille plutôt bien. Fièvre hémorragique, Ebola, HIV, SARS, la grippe, il y a déjà pas mal de bons exemples et il y en aura probablement d'autres. Les jeunes d'iGEM, nos futurs biologistes synthétiques, n'ont pas peur de se projeter dans un futur peuplé de leurs créations bactériennes. 1, 2, 3. En 2009, l'équipe de Cambridge avait remporté le Grand Prix d'iGEM pour son projet iChromai. Leur bactérie synthétique était capable de prendre plusieurs couleurs selon le contexte. La designer Daisy Ginsberg, déjà consultante pour l'équipe, avait imaginé plusieurs scénarios sur 100 ans, dans lesquels ces pigments bactériens pourraient remplacer les colorants alimentaires ou colorer le ciel en cas de pollution. Sa vision en 2049, c'est que de telles bactéries modifiées pourraient servir de système d'autodiagnostic pour toutes sortes de maladies. L'une des propositions, c'était cette idée qu'un jour, peut-être en 2049, ce serait socialement acceptable d'avaler iChromai sous forme de yaourt à boire. Ces bactéries modifiées coloniseraient alors votre intestin pour surveiller les maladies. Lorsqu'elles détecteraient quelque chose, des composés chimiques produits par les pathogènes, elles se mettraient à produire de la couleur et ce serait très facile à voir dans vos excréments. Alors on a fait une valise d'excréments qu'on a emmenée à iGEM. Et certains ont trouvé ça vraiment dégoûtant. C'était un très bon moyen de tester les réactions des gens. D'autres ont trouvé que c'était une idée géniale. Mais peut-être que l'on n'est pas encore tout à fait prêt pour ça. Les fondateurs du concours iGEM, Drew Handy et Randy Redberg, rêvent d'un futur où la biologie synthétique fera partie intégrante de nos vies. Où notre peau ne serait pas seulement un repère de bactéries, mais une fabrique vivante de parfums. Imaginez qu'on puisse reprogrammer les bactéries qui vivent sur notre peau pour générer différentes fragrances. Ça aura un impact majeur sur l'environnement.
En Californie, une dizaine de compagnies ont déjà sauté le pas. Elles anticipent la fin du pétrole et des ressources fossiles. Leur nouvelle matière première, des organismes vivants. Les bactéries sont cultivées ici, dans cette cuve. On fait tout pour leur bonheur, température, pression, tous les nutriments dont elles ont besoin. On a du sucre qu'elles adorent dans cette cuve. Et on leur en donne selon des cycles très précis. Elles sont heureuses et nous fabriquent le produit. Ce produit, fabriqué avec bonheur par des milliards de bactéries, c'est peut-être l'essence du futur. Du diesel bactérien, directement utilisable dans n'importe quel moteur actuel. Notre technologie nous permet de produire des carburants qui iront dans les avions, dans les voitures. Très clairement, l'objectif est de fournir tout le carburant dont la planète a besoin. Autant dire beaucoup. Les États-Unis consomment à eux seuls 350 milliards de barils de pétrole par an. Le diesel, c'est quelque chose comme 60 milliards. LS9 fait partie de ces nouvelles compagnies de biotechnologie qui ont vu le jour aux États-Unis grâce aux progrès fulgurants de la biologie synthétique. Depuis environ 5 ans, des milliards de dollars sont investis pour développer ce nouveau mode de production, au potentiel vertigineux. Ce carburant est issu d'un procédé en une seule étape. Des organismes microscopiques, reprogrammés, transforment du simple sucre en carburant équivalent à celui qui sort des raffineries de pétrole. Ces bactéries si prolifiques n'existent pas dans la nature. Les ingénieurs du vivant ont réécrit leur ADN pour qu'elles exécutent une nouvelle fonction. Pour comprendre une telle prouesse technique, il faut remonter en 1953, quand Crick et Watson découvrent la structure de l'ADN en forme de double hélice. Il y a dans ce flacon une substance qui est plus précieuse que l'or, les diamants ou le pétrole du monde réunis. Cette substance, les Anglais l'appellent le DNA. Les Français, l'ADN, et les chimistes d'un nom un peu barbare, l'acide désoxyribonucléique. Suivant le point de vue auquel on se place, c'est une substance chimique inerte où c'est déjà de la matière vivante. Quoi qu'il en soit, tout le mystère de la vie se trouve à l'intérieur. À la lumière ou pas, bouger par là ou pas. C'est le genre de sophistication que nous avons avec nos programmes ADN aujourd'hui. Nous sommes au tout début de la programmation des cellules. Ce n'est pas comme les ordinateurs dans la sophistication, mais ça l'est dans l'ambition. Même si la biologie de synthèse paraît être une technologie naissante, dont l'efficacité reste modeste, des milliards de dollars sont déjà investis pour la rendre opérationnelle à grande échelle. Carburant, médicaments, plastique, tout ce que la chimie de synthèse a produit de façon coûteuse et polluante, la biologie de synthèse se propose de le produire de manière écologique, à partir de matières vivantes. Une sorte de chimie verte qui fait des microbes les nouvelles usines du 21e siècle. Premier produit sur le point d'arriver sur le marché, c'est un médicament, l'artémisinine de synthèse. Cette molécule thérapeutique est une cause inattaquable. C'est le traitement curatif le plus efficace d'un fléau pour les pays du Sud, le paludisme ou malaria. Chaque année, l'épidémie tue 1 million de personnes, surtout des enfants de moins de 5 ans. L'artémisinine naturelle est extraite de l'armoise, une plante cultivée principalement en Asie et en Afrique de l'Est. Mais elle est de plus en plus rare. Sa production est longue et coûteuse et reste très insuffisante. Jay Kisling, un ingénieur californien, est à l'origine d'une découverte majeure. Il a trouvé le moyen de produire de l'artémisinine de synthèse grâce à des bactéries reprogrammées. Après le laboratoire et la preuve de concept, c'est le géant pharmaceutique français Sanofi Aventis, à l'autre bout de la planète, qui doit industrialiser le procédé. Ce qu'a développé Kisling est quelque chose qui relève d'un procédé de laboratoire. Ils avaient déjà des performances qui étaient intéressantes. Mais ensuite, quand il s'agit de passer de l'échelle d'une vingtaine de litres maximum à des fermenteurs qui seront des fermenteurs de l'ordre de 100 à 200 mètres cubes, qui sont des fermenteurs de taille industrielle.
Ça, c'est un travail qui n'avait pas ou peu été approché par l'équipe de Kiesling et d'Amiris et qu'on a largement développé pour pouvoir être capable d'aller en phase d'industrialisation. C'est donc en Californie, dans la baie de San Francisco, que l'histoire a commencé il y a 10 ans. Avant de croiser la route de l'artémisinine, Jack Kiesling travaillait sur des levures, des organismes aussi simples que les bactéries. Un modèle comme un autre pour se lancer dans l'aventure de la biologie synthétique. On peut donc la vider d'une grande partie de son ADN superflu et ne conserver que les gènes indispensables à sa survie. Les ingénieurs du vivant peuvent ensuite lui injecter des biobriques pour lui conférer une nouvelle fonction. Par exemple, des morceaux d'ADN de la luciole qui lui permettent de diffuser de la lumière. La bactérie peut donc lire un nouveau programme génétique et l'exécuter. Paul, un Français étudiant de l'équipe de Cambridge, a passé tout l'été à bricoler de l'ADN pour que des bactéries clignotent en bleu. Dans cette flasque, on a une colonie d'Escherichia coli, qui est une bactérie qui d'habitude vit dans la flore intestinale, dans laquelle on a introduit des gènes de bactéries vivant en symbiose dans des animaux marins comme les poulpes. Et dans les poulpes, ces bactéries émettent une lumière utilisée par le poulpe pour attirer des proies. Et ici, donc, on a la même lumière qui est émise, donc on est une colonie émet une lumière bleue. Dans le concours à AGEM, les étudiants sont appelés à dépasser la dimension purement technique de leur projet et à penser à des applications concrètes. Pour imaginer leurs bactéries lumineuses Iglolae dans le futur, l'équipe de Cambridge a fait appel à Alexandra Daisy Ginsberg, une designer anglaise experte en biologie synthétique. En tant que designer, la biologie synthétique m'intéresse par les nouveaux matériaux ou procédés de fabrication qu'elle rend possible. En tant qu'artiste, je suis intéressée par le fait qu'on puisse intervenir à cette frontière entre ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas, par la place que cette nouvelle technologie pourrait avoir pour nous dans l'avenir. Avec notre projet cette année, on cherche à produire de la bioluminescence, donc de la lumière par des bactéries. Il peut y avoir beaucoup d'applications dans nos vies quotidiennes. On peut imaginer par exemple que les réverbères dans la rue pourraient être remplacés par des arbres luminescents. 4 mois plus tard, l'équipe de Cambridge et toutes les autres, 1500 étudiants du monde entier, viennent enfin présenter leurs créatures microscopiques, des machines biologiques qui se veulent utiles à l'humanité ou simplement aussi fun que des applications pour iPhone. In our case, we are building a bacterial system. On a construit un système bactérien qui peut détecter les cellules cancéreuses. Pour les pays en développement, les systèmes de détection sont indispensables, mais doivent être accessibles. On s'est juste dit qu'on pouvait, avec un système bactérien, parvenir à la même efficacité qu'avec les technologies très coûteuses qui existent aujourd'hui. Ce serait socialement acceptable d'avaler Ikromai sous forme de yaourt à boire. Ces bactéries modifiées coloniseraient alors votre intestin pour surveiller les maladies. Lorsqu'elles détecteraient quelque chose, des composés chimiques produits par les pathogènes, elles se mettraient à produire de la couleur et ce serait très facile à voir dans vos excréments. Alors on a fait une valise d'excréments qu'on a emmenée à AGEM. Et certains ont trouvé ça vraiment dégoûtant. C'était un très bon moyen de tester les réactions des gens. D'autres ont trouvé que c'était une idée géniale. Mais peut-être que l'on n'est pas encore tout à fait prêt pour ça. Les fondateurs du concours AGEM, Drew Handy et Randy Redberg, rêvent d'un futur où la biologie synthétique fera partie intégrante de nos vies. Où notre peau ne serait pas seulement un repère de bactéries, mais une fabrique vivante de parfums. Imaginez qu'on puisse reprogrammer les bactéries qui vivent sur notre peau pour générer différentes fragrances. À quoi ressemblerait l'industrie du parfum?
Un industriel qui aurait mis au point un cocktail de produits chimiques formant un excellent parfum pourrait travailler avec des ingénieurs en biologie synthétique pour faire fabriquer ces composants par un micro-organisme, un organisme qui vit sur notre peau. Comment diffuser ce nouveau parfum dans le monde entier? En le mettant sur Internet. Sous quelle forme? Sous la forme d'une séquence d'ADN qui programme les composants constituant le parfum. Partout dans le monde, les gens pourraient télécharger cette séquence d'ADN, la synthétiser sur place et modifier leur peau avec un parfum vivant. Je pense que la biologie synthétique va entrer dans nos vies d'abord par les annonces d'avancées scientifiques, puis, au cours de la prochaine décennie, par les exemples de certaines entreprises qui auront réussi à accomplir quelque chose, à soigner des maladies de cette manière. Et puis, dans les 20 ans qui suivront, il devrait y avoir des percées importantes. Les gens commenceront à en entendre vraiment parler et à l'utiliser personnellement. Dans 50 ans? Je ne sais pas. C'est assez long, mais c'est l'échelle de temps qu'il faut envisager pour des changements de l'ampleur de ceux dont nous parlons. C'est excitant au début, mais à la fin, tout le monde l'a, et ça semble totalement normal. Propulser sur le marché une technologie dont on sait très peu de choses, sans aucun contrôle, régulation ou surveillance, c'est la recette d'un désastre. Car quand cette industrie va rencontrer des problèmes et que quelque chose va aller de travers, comme ça va inévitablement être le cas, ce sera à large échelle, ici, dans le vrai monde, et pas seulement en laboratoire. La biologie synthétique, comme le reste des biotechnologies, sont des domaines si mouvants, au potentiel si bouleversant, que leur portée ne peut s'envisager que sur plusieurs décennies. Et donc vous changez l'économie dans laquelle on vit. Il n'y a tout simplement pas assez de biomasse pour faire ça. Si la biologie synthétique tient ses promesses, c'est toute l'économie mondiale qui devra s'adapter à une nouvelle révolution industrielle. Mais a-t-on suffisamment de recul pour propulser cette technologie naissante dans notre vie quotidienne ? L'arbre du vivant, qui a permis l'évolution de toutes les espèces, va connaître une nouvelle branche. Une branche artificielle, faite d'espèces créées par la main de l'homme. Qui peut garantir que ces nouveaux organismes ne vont pas dominer et détruire nos écosystèmes naturels? Pour contrer ces peurs, Randy Redberg, l'une des grandes figures de la biologie synthétique, s'appuie sur son expérience de l'informatique. Il a vu la naissance des premiers ordinateurs dans les années 60 et le fantasme de machines qui allaient devenir des cerveaux géants, remplaçant la main de l'homme. Pour lui, les peurs liées à la biologie synthétique seront aussi infondées. Les ordinateurs se sont améliorés de plus en plus, mais ils ne sont pas devenus plus intelligents. Ils sont devenus meilleurs en musique, en graphisme, dessin, interface, en communication, en réseau. Je pense que c'est un peu la même chose pour la biologie synthétique. Se demander si on crée de la vie ou pas, si c'est une forme d'évolution ou pas, n'est pas le plus important pour décrire la biologie synthétique. Le point fondamental, c'est que nous pouvons construire des systèmes qui peuvent faire des choses importantes. Il faudrait donc considérer les espèces synthétiques comme n'importe quelle autre technologie. À la différence près que les bactéries reprogrammées sont des espèces vivantes qui vont évoluer. Aussi, pour d'autres scientifiques, des précautions s'imposent. Leur solution ? Créer un nouveau code génétique incompatible avec le vivant tel qu'il existe dans la nature. Philippe Marlière et ses collègues ont essayé de changer l'une des quatre lettres de l'ADN. Ce nouvel alphabet génétique ne serait plus ATGC, mais AXGC. L'expérience était intéressante parce que d'abord, il était impossible de dire s'il serait possible, par un moyen purement automatique, extrêmement simpliste, de forcer une bactérie conventionnelle à adopter au cœur de sa matière génétique une lettre que nous aurions décidée. Alors, est-ce que ce serait possible? Et deuxièmement, si c'était possible, combien de temps ça prendrait? Combien d'étapes d'adaptation génétique? Pour se reproduire, les bactéries ont besoin des quatre bases chimiques ATGC. Pour forcer la bactérie à dépendre d'une base artificielle X, l'équipe de Philippe Marlière a mis au point une culture de bactéries automatisées. Quand les bactéries ont du mal à proliférer, la machine leur donne la base naturelle T. Quand au contraire, elles sont